Quel est le lien entre le résistant Missak Manouchian, le poète Aragon et le chanteur Léo Ferré? Le 21 février 1944, des résistants sont fusillés au Mont Valérien, dont Missak Manouchian. Ce jour-là, connaissant son sort, Missak écrit une lettre à son épouse Mélinée dans laquelle il déclare son amour pour elle et son engagement pour la liberté. Cette lettre inspire le poète Louis Aragon en 1955. Strophe pour se souvenir est ensuite repris en 1961 par un autre artiste, Léo Ferré, qui compose la chanson L'affiche rouge en référence à l'affiche de propagande nazie qui qualifiait le groupe d'armée du crime. Cette même chanson est à son tour reprise en 2023 par Feu Chatterton. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. Missak Manouchian entre dans la mémoire collective grâce à la culture, grâce au poème, grâce à la chanson. Et c'est un très beau retour sur le personnage lui-même qui était un poète.